l'adolescence, je me sentais très différente, très rebelle, très critique par rapport à la société. Et j'étais très étonnée d'avoir en fait un visage normal, banal, qui plaisait, mais qui avait rien d'extraordinaire. Et donc j'ai essayé que ma différence se voie à l'extérieur, d'abord vestimentairement, et puis de 1990 à 1993 par des opérations chirurgicales performance, où effectivement j'ai essayé d'inscrire de la différence, celle que je sentais à l'intérieur, qu'elle se dise à l'extérieur, en fait, comme une carte de visite, qui pour moi me paraissait plus en relation avec ce que je pensais réellement. Le monstre, courant, tatoué, ambidextre, hermaphrodite et métisse, que pourrait-il nous faire voir à présent sous sa peau? Oui, le sang et la chair. La science parle des organes, de fonctions, de cellules et de molécules, pour avouer enfin qu'il y a beau temps que l'on ne parle plus de vie dans les laboratoires.